Budget participatif, depuis l'atelier que nous avons eu, c'est ce budget qui prend en compte les besoins réels de la population, qui prend à contribution à la fois les conseillers et la population dans son élaboration. Nous sommes là depuis 2013, mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a des identifications des besoins d'abord dans le village, et puis il y a un atelier qui réunit les conseillers. Et par la suite, il y a une restitution où on fait appel à toute la population. Alors, qu'est-ce qui se passe au départ de l'identification des besoins? On va dans le village, on essaie de voir, de demander aux populations quels sont leurs besoins réels. Donc, dans l'élaboration du budget, donc, on intègre ces besoins-là qui ont été identifiés dans le village, dans l'élaboration du budget. Ça fait que quand nous nous rappelons un peu de notre atelier, on prend la rubrique recette. De par l'identification des besoins faits dans le village, on essaie d'attribuer les recettes par rapport aux besoins réels. Et également au niveau des dépenses, nous faisons la même chose. Ça fait que nous avons une séance de 3-4 jours. Et là, tout le monde est pris à contribution. Le plus important dans le budget participatif, c'est que tout le monde est pris à contribution, à la fois les conseillers et la population. Le rôle que nous avons joué en tant que conseillers, c'est de prendre réellement en compte les besoins de la population. Et à partir de ce budget participatif, le conseiller assure exactement son rôle. Le conseil doit donc tenir compte de ce qui a été dit au forum. Et je crois que c'est une facilitation même pour le conseil dans son élaboration du budget. Parce que le conseil doit tenir exactement compte de ce qui a été dit, puisque c'est la réalité. C'est la réalité vécue sur le terrain. Les promesses fallacieuses ne vont plus tenir du moment où la population même est imprégnée de la chose. Vous voyez, ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement les conseillers qui sont là, il y a aussi une partie de la population qui a été convoquée pour cet atelier. Donc ça fait que ça nous oblige à promettre ce que nous pouvons réaliser, dès lors que vous n'êtes plus cachés.